Tous les mardis, 21h-23h, ça va pas être possible. Et on est avec Emery Bono. Applaudissements quand même, messieurs. On voit Emery, il est là, il est beau gosse. Cherylane, elle est habillée dégueulassement. Gabi, il est venu en pyjama. Et Audrey, on se cherche encore. On sait pas. Mais pas du tout. Enfin. Ah. Mais on s'est trouvé complètement. Mais vous ne voyez pas ce... Bon, franchement, je ne discute même pas avec toi. Non, merci. Ils ont tous un secret. Je leur ai confié une mission. Le garder à tout prix pendant tout l'été. Alors, faut, le jingle, il dure 45 minutes. Hein. Pour faire court, on va rien se cacher. L'image générale de la télé-réalité, elle est pas terrible. Après, ce qu'on peut faire, c'est donner une bonne image individuelle. Et c'est vrai que les parents, ils s'attardent pas. C'est pas la cible. Donc, quand ils pensent télé-réalité, ils pensent à cette image générale. Et elle est déplorable et ils ont peur pour leur gosse, quoi. Mais derrière, quand vous savez assurer et vous savez montrer qui vous êtes, il n'y a pas de surprise et ils reconnaissent leur gamin. Alors toi, tu as des projets derrière. Parce que je vois vu que tu es sur Trasport, c'est ça? Ouais, c'est ça. À partir du mois de mars, tous les vendredis à 21h, j'ai mon prime time où je reçois des invités. Ah ouais, monsieur. La classe. Monsieur son prime time. Non, précisons. Et on peut avoir un petit projet comme ça? Ah, ça c'est secret. Un petit. On réessaye à la fin de l'émission. Un vite fait. Ah, le mec, il a grillé son secret dans Secret Story. C'est pas la classe. Elle est bonne celle-là. Allez, un petit projet avec Leïla. On compte aménager ensemble prochainement. Voilà. C'est vrai? Ouais, oh putain. Je peux être là? J'ai un camion 20 mètres cubes. Il y a un truc qu'on déteste faire, c'est la vaisselle. Mais j'ai la vaisselle aussi, je fais la vaisselle. Il faut savoir, je fais la vaisselle parce que en fait je fais des extras à côté de tout ça. Je fais la vaisselle, je fais le ménage. J'ai fait aussi, j'amène les enfants à l'école. Par contre, avec toi, j'ai l'impression que je vais devoir avoir un taser parce que à mon avis, je suis au micro. Voilà. Ma phrase culte, c'est y penser toujours, n'en parler jamais. Voilà, quand vous avez un projet, une idée, un objectif, vaut mieux le garder pour soi, attendre qu'il se concrétise et voilà. Et puis heureusement que Pierre et Marie Curie, ils ont pas fait comme toi parce que ah putain, tu tailles, hein. C'est ceux qui ont inventé le Curie, c'est ça? C'est ça. Ah, Gabi, allez, elle est mal passée celle-là. Quelle est la chose la plus importante sur toi que tu aimerais que je sache? La plus importante, je crois que c'est trop souvent oublié, mais je suis un grand amoureux de l'Afrique et je crois que les gens l'oublient ou le savent pas. Ah, c'est en tout cas, voilà, j'ai grandi en Afrique, j'ai fait toute mon adolescence là-bas. Excuse-moi. C'est quelque chose qui m'a marqué. Mon ami, Anis Ogoma, un kakene? Ça se comprend pas, ça. tu nous appelles d'où, t'as quel âge? Je m'appelle de Melun, j'ai 29 ans et je fais partie de la team de Emeric et Leïla. Et je crois qu'il connaît, à mon avis, mon arrobase. Arrobase, je m'en fous. Ouais, arrobas, je m'en fous, avec des majuscules, des tirés de 8 partout. Oui. C'est la nana, même. Tu sais que sur Twitter, elle est déterminée, tu vois. voilà. D'ailleurs, tu m'as envoyé un petit message privé tout à l'heure en disant que je répondais pas en ce moment. Oui. C'est parce que Leïla, en ce moment, elle me saoule trop et voilà, j'ai pas trop le temps. Oh, c'est pas vraiment, voilà. Tu m'appelles quand tu veux, hein, voilà. Donc là, t'as bien fait de m'appeler, c'est direct, c'est nickel. Si Leïla écoute, elle va être super Emeric, contente. Non, pourquoi fait des amalgames comme ça? Excuse-moi, Emery, j'ai une question. T'es venu pour pécho ou t'es venu pour. Les gars, c'est vous qui êtes énervés là. Je pense que dans cette équipe, il y a un grave problème sexuel. Je lance un pari. J'ai dit à ma copine, j'ai dit voilà, je regarde Secret Story et je kiffe un mec, mais à mort. Je me suis dit, lui, il faut qu'il me suive sur Twitter et je vais gagner mon pari. Et tu m'as suivi au mois de décembre. Ah, comme quoi t'es déterminé. Mais heureusement que t'as fait que ce pari, hein, parce que je t'aurais fait perdre les autres. Hein. Non, mais t'es un amour. Merci. Merci Misha, merci vraiment. Merci Asia. Non mais attends, j'ai pas posé la question. Ça va d'accord. Toi sinon? Parce qu'en fait, parce qu'après, je te rappelle qu'on fait une émission. Oui. On a eu des nouvelles d'Eric. Oui. Il est passé au test d'urine. C'est en bonne voie. Écoute, c'est Eric déjà. remplir 30 centilitres, ça n'a jamais été son fort. Allez, on part tout de suite au standard. On a Pauline au téléphone. Allô Pauline, bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir. Comment ça va, Pauline? Ça va. Alors, c'est Pauline, la lanceuse de bananes de Lyon. Tu nous entends? Bonsoir. D'où appelles-tu? Qui es-tu? Oui, bonsoir. Comment tu t'appelles? Asia. Asia, oui. Asia, d'accord. Alors non, t'es pas au commissariat. Hein. Le monsieur pose beaucoup de questions, mais t'inquiète pas. Tu nous appelles d'où, Asia? Alors du 93. D'accord. Où ça, dans le 93?
Le monsieur te demande où...